Moi, j'en ai assez qu'on nous présente des soi-disant vérités économiques qui empêchent qu'un vrai débat soit mené sur les politiques économiques à appliquer en France. Si aujourd'hui vous voulez plus d'investissements dans les services publics, des investissements pour les hôpitaux, plus d'écoles, plus de crèches, il y a toujours quelqu'un en face qui vous dit « oui, on aimerait bien le faire, mais on ne peut pas le faire à cause de la dette publique ». On est vraiment dans un débat qui est cadré par des contraintes qui sont imposées et à la fin, les termes du débat sont tellement étriqués qu'il n'y a qu'une seule solution. Margaret Thatcher disait « there is no alternative », Emmanuel Macron avait dit que l'autre politique était un mirage. Donc vous voyez, à la fin, le champ des possibles est extrêmement réduit. Or, en réalité, ces contraintes qui nous sont imposées, on pourrait débattre. L'économie n'est pas une science dure, l'économie c'est des rapports de force par d'autres moyens. Quels que soient les résultats scientifiques sont des résultats que l'on trouve dans un contexte géographique, dans un contexte politique, mais ce ne sont pas des résultats que l'on peut reproduire comme ça dans tous les pays. Quand vous dites que flexibiliser le marché du travail, ça va faire baisser le chômage, le Royaume-Uni l'a fait, le chômage a baissé, l'Espagne l'a fait, ils sont toujours à 20% de chômage. Des modes de fonctionnement de l'économie qui ont changé en fonction des époques. Ce qui est appliqué depuis les années 80 n'était pas du tout appliqué entre 1950 et 1970. Et ce qui a été appliqué entre 1950 et 1970 n'était pas du tout appliqué au début du 20e siècle. Donc vous avez à un moment un mode de régulation dû à des rapports de force qui se mettent en place et qui font que vous avez grosso modo un mode de régulation qui devient à la mode dans l'économie. Alors là, à partir des années 80, c'est très simple, on a eu la crise pétrolière qui a fait que l'économie n'arrivait plus à croître et donc là d'autres rapports de force sont mis en place pour dire qu'il fallait libéraliser, flexibiliser avec en premier lieu les réformes mises en place par Thatcher et Reagan. Le problème c'est que là on a une très grosse crise en 2008 et que ces rapports de force n'ont pas été chamboulés et qu'on a été encore plus loin dans la logique libérale alors même que la crise que l'on a connue aurait dû chambouler tous ces rapports de force et nous amener vers on va dire un compromis un peu plus redistributif et plus social comme on l'avait eu à l'après-guerre mais ça n'a pas été le cas. En économie, il faut toujours se poser une question. Quand on vous présente une réforme économique, il faut toujours se poser une question qu'on ne se pose plus, c'est qu'il n'y a pas une vérité, genre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est la question qu'il faut se poser, c'est à qui cela profite. Quand vous flexibilisez le marché du travail, vous regardez le résultat des syndicats, quel syndicat est content, quel syndicat n'est pas content, vous savez tout de suite à qui ça profite. Quand on privatise les services publics, la SNCF ou les hôpitaux, ou les aéroports de Paris, à qui cela profite? Et donc c'est la vraie question qu'il faut se poser au fond, plutôt que de se dire non c'est comme ça qu'on doit faire parce qu'il y a une vérité, non c'est faux. Il y a toujours une partie prenante qui en profite plus que l'autre. Ne serait-ce qu'en débattre permettrait, je pense, d'ouvrir un peu plus le champ des possibles. Or là, le fait que le débat est extrêmement réduit, c'est que beaucoup de gens ont accepté ces contraintes. Beaucoup de gens ont accepté que la mondialisation faisait qu'on n'avait plus le choix. Beaucoup de gens ont accepté que la dette faisait qu'on ne pouvait plus investir dans les hôpitaux, ou dans la police, ou dans les écoles. Et c'est ça le véritable problème, c'est qu'à la fin, au final, les termes du débat sont extrêmement étriqués. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives possibles. Et c'est ça qui fait qu'après, gauche, droite, tout ce que vous voulez, en termes d'alternance politique, c'est possible, mais d'alternative économique, c'est impossible. Et ça, c'est un vrai problème pour moi, même démocratique.